Bonjour à tous, on se retrouve pour le 20e épisode sur Millenia, la partie olympique, où nous sommes toujours les Grecs, et nous sommes en train d'être encerclés fortement par les Anglais, le Royaume-Uni, ici même. On voit qu'ils ont pas mal de tropas qui vont nous faire très très mal s'ils nous attaquent. Et ça, on va devoir travailler et agir rapidement. Nous avons également les Romains, qui eux, bah, c'est nous qui les faisons subir la misère, hein. On leur a piqué Byzance et Babylone, qui étaient les, j'allais dire, les plus grosses villes, non. Il y a Nicomédie qui est ici, qu'on doit travailler lors de cet épisode-là. Ou peut-être les plus petites, hein, Göteborg, on va peut-être le rendre au sud, etc., etc. Nous avions une flotte qui était partie jusqu'ici, mais qu'on est en train de renvoyer de l'autre côté, parce que lorsqu'on voit qu'il a des transports fluviaux ici, ils ne savent pas forcément où les poster, alors on peut potentiellement détruire un peu de troupas, même si c'est pas très très fort. C'est un ballon grenadier. Ah, deux grenadiers quand même, c'est pas négligeable. Et ensuite, on va voir comment avancer pour le reste. Car on est plutôt bien. Nous sommes dans l'âge de la révolution, on est en train de passer sur l'âge de la... On est rentré dans une âge de révolution, mais nous sommes pas encore dans l'âge de la révolution. C'est les Allemands qui sont déjà en train de passer à la phase suivante de la fuséologie. Donc on a un bon âge de retard. Et ça, c'est pas cool. Et je pense que la plupart des personnes ont un âge de retard. Donc, je vais vous dire, on sera potentiellement le deuxième à passer à l'âge suivant. Alors, on va calculer quelques coûts ici. On va dépenser ce qu'on a. Voilà. Là, on a beaucoup de thon si on veut faire avancer les choses. Là, on avait potentiellement du textile à travailler. Non. Toi, t'as pas de récolté. Vaste plantation, oui. Vaste plantation, oui. Tac, 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 tac. Comme ça, on va pouvoir travailler une usine parce qu'ici, à Delphes, on est à 10. Et si on veut, par exemple, poster ici. Ah non, là, on va pas pouvoir couper. Toi, il faudrait que je transforme l'avant-poste en ville. Je suis pas sûr qu'on puisse. Ouais, ouais, ouais. Donc, toi, il faut que tu dégages. Toi, tu dois dégager. Tu vas venir ici. Tu vas me le péter le coup d'après. Voilà. Babylone. Donc, Babylone a été prise. Ça, on va la laisser pour la fin parce que je pense que c'est la plus lourde, la plus grosse. On va aller faire le tour et on va aller piquer Göteborg. Et je pense que ça sera après et Treveris pour être relativement tranquille. Donc on part directement. Il a quasiment plus d'armée, donc on est, je pense, relativement simple et dans l'aisance totale. Toi, tu vas attendre le tour suivant. Et toi, tu avais commencé à attaquer lui, mais il nous a fait très très mal. Voilà. Donc là, on va se soigner. Toi, c'était toi qui faisais le tour pour revenir dans la zone de base. Et toi aussi. Oui, vous étiez deux. Exactement. Toi, tu vas rester ici. T'as potentiellement la capa, hein. Attendez, parce que là, si je te réveille, toi. Je sais même pas si on a moyen. Oh, si, si, bah, c'était très faible. Ok, donc ça va. Toi, tu peux revenir là. Donc ici. Ouais, il va nous falloir le tour suivant du testing. Voilà. On va laisser le tour se faire. Et après, on verra. Tout avance bien. Ok, parfait. Maintenant, qu'est-ce qu'il va nous falloir? 4 tours pour avancer dans l'âge suivant. On n'est pas loin en gouvernement, mais en gouvernement, on n'a pas grand-chose qui peut être fait. Trouver un colon et le mettre, ben, on n'a que du désert ici, donc on n'est pas dans l'aisance la plus totale. Le pire, ça serait de mettre, ou le plus agréable, serait de mettre un colon ici. Presque au bout, comme ça, on pourrait profiter de la pêche. On baisse un peu la taille de la ville, c'est pas grave. On va repartir de zéro là-dessus, mais bon. Est-ce que c'est gênant? Je
Tu vas essayer de lui rouler dessus. Non, tu dois pouvoir. Bon, on leur roule dessus, donc... La ville est pillée. Comme ça, en plus, on la condamne totalement. On aurait pu éviter de la faire, la ville, parce que ça nous aurait permis de garder des ressources. Toi, 22, t'en as pas assez. On peut revenir à la maison. Toujours pareil, hein. Là, on est en train de protéger au maximum. Alors, les villes, même si c'est pas les trucs les plus protecteurs, hein. Tout le tour à faire, ça va être long de faire le tour. Et le colon, pour moi, tu vas venir ici, le plus proche de la zone. Potentiellement, tu pourras pas avoir de ville dans ta région, mais bon. On a des sous, hein, si je me trompe pas. Nous sommes à 200, à plus de 100. Centre commercial, ça fait quoi? C'est expérience diplomatique. Savoir me plaît bien. Tour de levage, je dois donner normalement de la pelle là. 3 points d'aménagement, ouais, c'est pas trop cher, 3 points d'aménagement. On prend parce qu'on galère un petit peu avec les points d'aménagement. On n'en gagne pas tant que ça. Et ça nous met pas dans l'aisance totale. Hein. Donc on va voir comment on se dépatouille ici. De toute façon, on est focus sur les Romains pour les raser. Et les Anglais pour les contenir avant qu'ils nous attaquent. Parce que quand on voit déjà ce qu'il y a là. On peut commencer à s'inquiéter parce qu'il est vraiment en train de se poster partout. Ah ouais, de toute façon on va te rouler dessus. Là normalement il va jamais nous attaquer, il a pas ce qu'il faut. Bon, on peut accélérer en culture. Ouais. Eureka, non, ça me consomme trop de points. Mais le reste pourra être utilisé sur le reste. Comme ça, on provoque la révolution dès à présent. On peut faire des dérics en énergie. On peut faire donc les forces aériennes. On va pouvoir travailler. Si la législation augmente trop vite dans vos gens, des révolutionnaires apparaîtront. Aïe, oui. Bon, ok. Les unités aériennes. Eh ben, je pense qu'on va se focus là-dessus. Parce que je pense que ça peut être une force non négligeable. Pour la suite. La aéronautique. Ouais. Ça va être relativement cher et lui il est passé en ici, ouais, ah ouais, directement vers la fusée alors qu'il y en avait plein d'autres choix à faire. Oh non, mais le gars quoi, ah, pour l'instant on n'a pas eu d'unité supplémentaire. Si, fusillé, monté, on les a bien dès le début. Donc est-ce que c'est des améliorations d'unité ou pas? Est-ce que c'est tous les fusillés qui doivent monter? On a déjà le pétrole. Le pétrole est là. Ça, c'est bien. Donc, toi, tu restes toujours aussi faible, mais c'est pas grave. Syracuse, t'es limité, mais de toute façon, c'est pas toi qui va te. Attendez, hop, 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 hop. Donc là, il y avait quoi dessus? Il y avait des cervidés. Ouais, ça, c'est pas grave. Je préfère me faire ça parce que là, on gagne de l'art. Et la ressource richesse, donc ça c'est bien. Comment on doit pouvoir te raser rapidement? Expérience de guerre. Ah oui, bah c'est l'expérience de guerre qui nous manque. Donc on aura normalement le tour suivant. Attendez, là il y a un truc intéressant. Donc c'est contrôle, clic droit, on attaque. Donc là on va pouvoir péter, je pense, ça avec les. Or certes, on va prendre cher. Il est passé dans le seul cru qu'on avait pour pouvoir essayer de lui faire mal. Voilà, parfait.
Ça, c'est des révolutionnaires, normalement. On les rase, histoire de ne pas me faire trop mal, parce que... on n'a pas ce qu'il faut, on réparera ça le coup suivant. Là-dessus, cool. Athènes. Athènes avait fait le centre commercial. Fournit l'électricité si on fait un réseau électrique. On va en avoir besoin, mais je pense qu'on va d'abord travailler ça. Parce qu'il va falloir qu'on débloque la partie énergie pour essayer de faire des derricks. Des derricks de pétrole. Yes. Donc ça, on les aura le coup d'après. On voit quand même les barbares qui se font chatouiller légèrement. La France a été éliminée. Et là, on passe en physiologie par les Allemands. Donc, ils nous mettent un air complet d'avance. La course allait débuter quand on faisait un centre spatial. Donc, je peux vous affirmer dès à présent que la partie ne sera pas gagnée par nous. Ah ouais, donc il faut que je sois distant. Ah ouais, maintenant. C'est compliqué ici. Ok, le colon, il pourra pas se mettre ici. Il pourra potentiellement se mettre là. Mais voilà. Toi, tu vas donc poursuivre ton déplacement. Tu vas rejoindre les autres. Et là, on va faire très viré. On devrait être en capable, je pense, de le terrasser rapidement. Là, il nous dit... égalité à 90%, parce que de toute façon on le fait en deux phases. On casse beaucoup là, et après il va rester la tour à faire normalement. Bah même pas. Donc toi t'es pillé. Voilà. Aussi simple que cela. Et toi tu vas te garder des points dans quelques tours. On y va, hein, mais on va prendre cher. Non, on pète. Ah, on en a quand même pété un. Hein. Très bien. On va tenter de faire le tour, voir s'il reste ici ou pas. Là, tu poursuis tes déplacements. Toi, tu fais un peu ta course tout seul, mais c'est pas grave. Hein. Les Espagnols et les Russes sont en guerre. On partirait sur quoi? Culture, oui. Deux tours. Ouais, deux tours, c'est rapide. On en profite. Sachant qu'on a encore des unités à faire. Hein. Là, on va péter ça, j'espère. Lui, on va essayer de... ouais, ça va être tendu, hein. Là, il peut tout de suite revenir chez lui. Et nous, on est trop abîmés là pour pouvoir faire quelque chose de bien. C'est la grosse difficulté qu'on a, c'est que ça va vite être pété. Accepter la proposition. Pas d'intérêt majeur, mais ok, on le prend. Rêvez-vous. Des canons, des choux. Oh, ça, c'est pas mal ça. Non, oh, il roule dessus là. J'ai même pas l'impression. Même pas l'impression qu'on le pète en entier, quoi. C'est même pas possible, ça. Mais c'est pas possible. Là, je mens. Ça fait pas monter, de toute façon. Je sais. Le problème, c'est que je joue, mais je ne sais plus du tout qu'est-ce qui fait monter les pop. Ah, c'est... alors maintenant qu'il reste que la capitale et toi, c'est maintenant que tu veux m'épauler dans la guerre. C'est sympa, mais t'aurais pu quand même le faire avant. Bon. C'est peut-être gros pour pas grand chose. Ça, c'est deux villes. Alors attendez, on a peut-être mieux à faire.
Attendez, hop. On va partir ici, comme ça on va pouvoir tomber dessus le coup d'après. Tu vas rester comme ça un petit moment, malheureusement je vais avoir du mal à le faire. Après ça va être les je vais pas dire les erreurs, mais les placements faits par le gars qui va permettre potentiellement de nous en sortir. Hein. C'est vraiment dans ce sens-là que je voudrais le valider et le tenter. Si on y arrive, on réduit fortement. On espère. Toujours, on espère fortement leur force. Ah, oh, mais tout est complet déjà. Pourquoi je ramène toi, en fait? Ok, je ramène une troupe qui ne sert à rien. Toi, tu continues ton déplacement. À part que... Ouais, non, il doit traverser la zone. Ouais, 500. 500. La coutière, ici, il n'y a pas beaucoup de prod à Syracuse. C'est pas pratique, hein. C'est pas pratique du tout. C'est très maritime. Alors, ce serait très, très, très maritime, mais sans rien d'autre à côté. Donc, c'est moche, totalement moche. Là, ce qu'on va tenter, ben, de toute façon, oui, on a dit, hein. Même si lui, c'est quoi, c'est des partisans qu'ils ont, quoi. Ils ont des fourchettes, hein. Le chaos, les rumeurs se multiplient selon lesquelles les travailleurs de Grèce auraient fait état de mauvaises conditions de travail depuis l'adoption massive des usines. Ces travailleurs ne continueront pas longtemps à travailler paisiblement dans les usines. Si on accepte, qu'est-ce qui se passe? Deux agitations causées. On paye, on calme. Ça commence à monter un peu le prix, hein. C'était 900, on est en train de monter. Peut-être un petit peu inquiétant. C'est des paysans. Ok, donc c'est rien en fait. Non, pardon. C'est méchant de dire que c'est rien. Toi, t'es égalité 100%. Un peu plus de chances de victoire ici, donc on fait ça. Toi le deuxième, tu finis le travail. Voilà, terminado. C'est réglé, c'est nickel. Bon, maintenant qu'on a fait ça, est-ce que toi, on a une option pour te rendre à... On n'a pas d'option pour le rendre comme ça. Est-ce que si on parle aux Suédois... Demander de l'argent, non. Mettre fin à la guerre, non. Non, rien du tout. Là, j'ai vu qu'on a on est monté. Ah, on est monté, on est presque à égalité avec le Royaume-Uni. C'est tout de suite un peu plus intéressant. Ok, donc toi, on va tenter de faire une petite percée. Oh, ils ont un char. Oh, là, on est en train de monter en ennemi face à nous, là. Ça va piquer. Alors, allons-nous. J'ai l'impression qu'on va encore subir le truc, comme quoi on va pas réussir à le péter pendant un truc, alors qu'il y a que dalle dedans. Regardez, là, on les embête très fortement, on les réduise. Après, il y a... Au moment où je ramène un bateau... Ouais, mais je peux pas... Ouais, je suis désolé, mais là, faut que je le remonte d'une manière ou d'une autre. En fait, il fait esprit, j'ai l'impression. Certes, lui, il a la limite, mais... Qui dit limite, dit surtout, à un moment donné... À un moment donné, il va arriver jusqu'au bout, quoi. Vous l'accordez cette principe là? Moi je la vois cette principe. Abd
Abder. Donc là, de toute façon, on a zéro désordre. C'est quoi celui-là? C'est éducation, on est bien. Réseau électrique. Ces énergies. On garde nos sous, hein. On reste près de nos sous. C'est plutôt pour faire des Eureka ou autre truc comme ça. Là-dessus, on n'a rien qui peut être intéressant, à part une fête régionale qui va nous donner de la richesse. Ouais, c'est pas mal. Pas très très cher non plus, hein. Je sais pas si... J'ai pas fait gaffe, j'ai pas compris ce que ça m'a donné, là. Ah, voilà. Ça nous a débloqué ça. Alors, réellement, Eureka permettrait d'aller plus vite dans l'aéronautique. Est-ce que c'est intéressant? J'ai envie de dire, pourquoi pas. Ce qui peut être bien, c'est convertir un avant-poste en machin, oui. Sachant qu'ici, j'ai quand même quelque chose qui me semble intéressant, c'est-à-dire du pétrole. Et qu'on en aura besoin, et que si c'est pas converti en ville, on va peut-être du mal. Bah, un avant-poste ou un avance... Ok, donc là, c'est bien des trucs qui doivent se faire à la limite. Donc, t'as converti en château. Toi, t'es en château. J'ai toujours du mal à construire une ville. Hein. C'est affolant. C'est ça, je vais faire une nouvelle région ici. Mais finalement, c'est pas une nouvelle région que j'ai besoin. Voilà, c'est ça. J'ai fait me tromper. Très bien. Donc là, c'est sur Corinthe, c'est pas sur Abder. Ce n'est pas un problème, je vais vous dire. Mais au moins, je sécurise un peu plus les trois ressources de pétrole. C'est ça qui est important. Et regardez, directement, il prend cette emprise. Donc, il n'y a plus qu'une case partagée. Ah, j'ai pas vu cette ville-là. Oh! Il en restait deux. Après là, les parois, ils vont l'attaquer en basse. Hein. Mais le problème, c'est qu'il va retrouver sa vie comme si de rien. Ah non, peut-être pas là. Peut-être pas cette fois-ci. Là, ça fait un peu plus mal. Là, ça me plaît un peu plus quand même. Là, ça me plaît beaucoup plus. D'un coup là. Est-ce qu'on doit se plaindre? Je suis pas certain. Tu as combien là? Tu fais combien? J'arrive pas à voir le nombre. On attaque de toute façon. Ah, c'est le char d'assaut hein, qui nous fait un peu mal. Hein. On en a eu un. Nous, on est toujours en vie. On réduit sa force, c'est important. Après, ça se trouve, il remet des unités au fil de l'eau. Et ça, ça peut être à notre avantage quand même. Hein. Parce que s'il ramène des unités, ça veut dire que il essaye de... Je vais pas dire de compenser, mais il recharge un tout petit peu les unités, un petit nombre, mais il a toujours ses endommagés qui permettent en fait d'être moins fort finalement. Je regarde vite fait. On pourrait absorber d'autres villes. Hein. Tout le peuple romain, moi je l'ai laissé en vassal. A voir si on en fait une conversion ou pas quelque part. Hein. Toi je peux te récupérer. J'ai envie de dire sans difficulté majeure. On va attendre le tour prochain. Finalement, j'ai qu'un seul bateau avec toi qui remonte. Ouais, le but, réellement, le but, si vous l'avez compris, c'est vraiment de les... J'ai plus de force qu'eux. Maintenant, j'ai de la force dispersée, ça c'est certain.
d'air, 4 tours. Ouais, faut vraiment que je refasse. Je vais pas te dire beaucoup d'unités, mais faut que je fasse un peu d'unités, quoi. Je vais tenter plutôt de mettre là, ouais. Là, t'as une montée de la ville d'Athènes. Je suis même plus sûr si j'avais fait toute la partie industrielle. Je pense qu'il me manquait peut-être un peu de bois ou un truc comme ça. Faut que je revoie ce qui se passe là-dedans. Peut-être moyen d'améliorer notre production de manière radicale. Faire un petit tour sur Athènes. Athènes, tu construis des rondins, du moins t'es des rondins, tu fais des planches. Tu dois avoir donc une scierie quelque part, je ne sais jamais où c'est, ici, qui construit donc des bois de construction. J'imagine qu'avec les bois de construction, tu dois bien pouvoir faire quelque chose, non? C'est là où c'est compliqué, c'est que ce n'est pas archi clair, j'ai l'impression. Vaste camp, ça c'est, j'allais dire les bas niveaux, mais non, ce ne sont pas les bas niveaux uniquement. Converti du calcaire, non, pressoir, ça va être du raisin et ou de l'huile. Voilà, donc non, les maisons, il n'a pas besoin de planches de construction. Oui, et puis de pétrole, ça oui. Ça utilise donc des spécies, ok. Ça travaille le pétrole. Pas mal. En tout cas, toi, tu te retrouves avec de l'énergie potentiellement. Je sais pas si on le voit le marqueur ici, mais non. Avec 3 de pétrole, on est potentiellement pas mal sur certaines petites choses. Pour moi est très très intéressante. Victoire. On y va avec toi, comme ça l'autre il reste quand même avec tous ses points d'action. Potentiellement je peux lui rouler dessus là. Et d'égalité quand même. J'ai réussi à... Wow. Et il a quand même les fusils montés. Ok, j'aurais pas cru. Ouais, on va essayer de remettre un petit peu de PV parce que là... Voilà, là on est mieux. Ça se discute, mais on a pris cher quand même. D'un coup là... Alors attendez, qu'est-ce qu'il nous faut là? Victoire à 80%, victoire à 100%. Donc c'est clic, c'est contrôle gauche, clic droit. Comme ça, on reste dans notre territoire. C'est ça qui est important. Le but, c'est vraiment de les défoncer en restant chez soi. Allez, encore 2 unités. Toi, t'as reculé. Ça me plaît. Pour l'instant, toi, tu vas rester ici, là, comme ça. Ouais. Pour l'instant, tu ne peux rien faire. Toi, tu restes bloqué ici. Convertis le papier papeterie, c'est quoi? C'est prendre du bois ou pas? Non, il prend du rondin. On est d'accord que là, on fait pas papeterie. Mais papeterie, on pourrait le faire. J'ai pas vu combien on en avait encore. On n'a plus de rondin. En fait, les bois de construction, je veux bien, mais... je fais quoi des bois de construction, moi, après, derrière? Je fais rien avec les bois de construction. Que la papeterie. Je peux faire du papier? Sauf que là, il va me dire « Oh, oh, il m'en manque !»
Comme ça, je produis un peu de papier. Et du papier, je pourrais partir sur une prod un peu évoluée derrière. Ah, ça m'agace, hein, parce qu'en fait, de l'autre côté, j'ai aucun navire. Hein. Aucun navire, et la seule manière de faire des navires serait donc de... Et il me reste 3 tours. Et de faire 2-3 bombards d'ici, ça prendra du temps, mais... On va dire que c'est une des seules manières pour être le plus à l'aise, en fait. Ouais. Je trouve pas ça déconnant du tout. Donc toi, tu remontes... Marche est rapide hein, pour remonter. Convertis propriété 100 équivalent. Payé 15 en position 80. Donc on est bon. Apparition marchand. C'est une manière d'éviter de faire une ville. Ou du moins une région. Admettons. Réseau électrique, de toute façon, on va commencer à en avoir besoin. Donc je serais tenté de le prod à peu près partout. Juste après voir comment on consomme en fait de l'énergie derrière. Ça, je l'ignore totalement. C'est quoi qu'il y a ici? Des airs avec un truc. Attendez, il y a... Ah non, ça c'était une... Une merveille qui avait été découverte. Ok. C'est à moi ça? Ah, c'est une milice, d'accord. Il m'attaque... Égalité, attendez, toi. Toi, t'as moins d'égalité, on va bien t'utiliser comme ça. Ok, on a quand même eu deux. Victoire 100%. On y va au complet. Comme ça, on est plutôt pas mal. Très bien. Disons que c'est bien. J'ai envie de rester à distance et attendre qu'il se raboule et hop là. Banzai. On l'aura d'une certaine manière, vous inquiétez pas. Là, toi, ça m'intéresse. J'aimerais bien quand même faire une pénétration. Là, clac, clac, je le casse et je rentre. Mais je peux pas rentrer, en fait. Après, toi, c'est d'égalité. C'est après, si je me mets... Là, c'est victoire. Là, c'est égalité. J'ai de quoi encore renforcer mon équipe. On y va comme ça. Comme ça, toi, on te casse. Faire un chef 7. Chef 6, c'est qui? C'est toi qui fais chef 7? Les chefs, exemple, chef 7, boostent grandement les uns. Dans... Ok. Là, les Anglais sont comment là? On y repasse devant, hein. En fait, ils reprod. Hein. Ils prod pas. On est clairement. Là, on est vraiment à égalité en termes de puissance. Là, c'est. Comme on dit chez moi, c'est chaud du slip. Hein. Je pense que c'est pas que chez moi qu'on le dit, mais.
Les propos sont potentiellement pas très très appropriés, mais bon. Donc là, lui, il a spawn ici. Maintenant, toi, tu rentres à la maison. Quatre cent soixante et quelques. Après, toi, t'es dans très défensif, hein, donc t'es pas archi approprié dans l'orga complète. Hein. Attendez, parce que là, il y a un Romain qui me plaît, là. Voilà. Te casser la gueule. Voilà. On va attendre quelques tours quand même avant de faire la suite. Comme ça, on a une vue complète sur ce qui se passe entre nous. Ça me plaît bien. Ouais. On va s'arrêter à ce tour-ci. Là, on est full complet ici, donc toi, tu vas rester là pour l'instant. Toi, tu portes tout de suite ton déplacement. Par principe, t'attaques ça, mais on sait que ça fera. Waouh! Voilà. Nous sommes au tour 270. Nous avons quasiment terrassé les Romains. Il ne reste plus que Nicomédie qu'on va faire. On a vu qu'il y avait une petite unité ici. On va essayer de la poursuivre d'une manière ou d'une autre pour voir ce que c'est. Au moins identifier ce que c'est et potentiellement l'attaquer ici. Si c'est un colon, on peut imaginer qu'il peut toujours spawn quelque part et reconstruire une ville. Et donc, si on peut s'en épargner, ça serait bien. On a vu que les Français ont été terrassés. Première cible qui a été terrassée. Après, le reste, c'est encore présent. Les Suédois nous ont demandé une alliance parce qu'ils se font dans le slip. Ils ont peur. Les Allemands sont hyper difficiles. Et les Espagnols sont un peu équivalents à nous. Donc, on verra par la suite comment on évolue, nous. Comme on dit, on n'est pas bien avec les Anglais donc, et les Romains. Le reste, ça devrait se faire. Les Romains, ils sont pas en alliance avec... Ils étaient hostés avec tout le monde. Bon, voilà. Sur l'heure, on s'arrête ici. Je vous souhaite une très bonne continuation. Et je vous dis à la prochaine. C'était Cyril. Ciao, bye bye.